Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Alors, je le répète, le jeu n'est actuellement pas disponible dans tous les stores. Il est disponible certainement, enfin seulement surtout, dans le store australien et hollandais, je crois même suisse. J'ai cru voir suisse aussi. Mais en tout cas, australien et hollandais sûr. Donc si tu veux savoir comment on y joue, comment on le télécharge, je t'invite à aller checker ma première vidéo que j'ai fait hier dessus. Voilà, je te donne un petit peu la marche à suivre. Et puis voilà, alors là, cette vidéo, elle va être axée plutôt pour les gens qui ont déjà commencé un petit peu à jouer. Et pour les gens qui vont s'y mettre dans les jours, semaines qui arriveront, parce que quand le jeu sortira sur le store français, vous aurez beaucoup de questions sur le jeu. Et donc du coup, je vais essayer de répondre à certaines questions aujourd'hui en vidéo. Alors déjà, premièrement, pas mal de personnes ont un problème de... Quand vous lancez le jeu, il y a marqué comme quoi votre jeu, enfin votre compte est déjà utilisé sur un autre appareil. Et du coup, vous pouvez pas lancer le jeu. Ah, donc là, ceux qui ont déjà eu l'erreur, vous voyez de quoi je parle. Cette erreur-là, en fait, on me la demande souvent sur Twitter comment on la règle. Eh bien, en fait, la seule façon de régler cette erreur, c'est d'attendre 5-10 minutes et de relancer l'appli. T'attends 5-10 minutes et tu relances l'appli, tu relances l'émulateur, tu relances ton téléphone. Et puis au bout d'un moment, ça va se débugger tout seul. Voilà, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour le moment. Pareil pour les bugs de texture rose. Eh bien, pour ceux qui sont sur émulateur, ceux qui ont le bug de texture rose et qui sont sur BlueStacks, il faut que vous alliez... dans les paramètres de votre émulateur de BlueStacks, dans le petit écrou en haut. Donc là, vous ne le voyez pas parce que malheureusement, ça apparaît pas à l'écran. Puis vous cliquez sur Réglages. Ensuite, vous allez dans Moteur. Et une fois que vous êtes sur moteur, et bien vous cochez utiliser le mode moteur graphique avancé. Et en théorie, vous devriez plus avoir problème avec les bugs de texture rose. Donc je t'ai pas montré, mais c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est l'écrou tout en haut de BlueStacks, qui s'appelle paramètres, réglages, moteur, utiliser le mode graphique avancé. Voilà. Donc ça réglera certainement ton problème. Donc normalement, là, c'est les deux gros bugs que les gens ont globalement. Après, c'est des soucis pour le télécharger et tout. Bon, ça, ça m'est arrivé aussi, donc il va falloir un petit peu tryharder. Bref, donc du coup, on va parler aussi dans cette vidéo de comment XP tes personnages, quelle est la meilleure des façons pour l'instant de monter tes personnages. Tu peux les monter jusqu'au niveau 300 maximum pour le moment. Ça sera débloquable plus tard, parce qu'on pourra récupérer plus d'items qui te permettent de le monter au-dessus, ou de gemmes, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Comment récupérer un maximum d'orbes là en haut à droite, des espèces d'orbes, de DS, de ça, appelle ça ce que tu veux, les cristaux, en faisant les missions dans le mode histoire. Tu as des petites récompenses que tu obtiens en fonction de certaines choses que tu dois faire pendant la mission. Donc il y a certains trucs qui sont pas très clairs pour certaines personnes, en tout cas sur Twitter, on me l'a demandé, donc je vais vous le dire ici. Et 2-3 astuces pour XP en plus de celles que je vais te donner. Voilà, et puis pour XP globalement aussi ton compte tout court. Bref, donc du coup on va commencer par XP, comment on XP pour ton compte, pour monter ton level de compte. Et bien globalement, le plus intéressant c'est d'aller faire les missions. Qu'on te donne les missions daily, bon là j'en ai plus, dès qu'elles apparaissent, tu les fais, ça te donne des points Z là qui te permettent de level up tout simplement. C'est globalement avec les Z missions, les choses qui te permettent de le monter le plus vite ton compte. Voilà, il n'y a pas d'autres solutions de mystère, en plus de faire aussi un petit peu de mode histoire, mais il n'y a pas d'autres choses à faire pour monter, ton compte. Ensuite, pour monter tes personnages, tu as 2-3 solutions. La première, tu vas sur Aventure, tu envoies... Attends, là je viens d'en envoyer, donc du coup, tu vois, globalement, tu envoies un personnage dans le mode Aventure pendant 1/2 heure. Il va revenir avec des poids qui vont te permettre après de les utiliser pour entraîner tes personnages et des ennemis. Voilà, comme tu peux le voir là, moi je récupère des poids, je récupère même des... je sais plus comment ça s'appelle ça, des trucs pour monter dans l'arbre, l'arbre de compétences. Des poids de nouveau avec Vegeta plus des ennemis. Donc globalement, pour avoir des aventures slots, des places d'aventure, il te faut aller dans le mode PVP et il te faut faire du PVP. Voilà, tu fais du PVP et en faisant des matchs PVP, tu vas avoir gagner des points qui vont te permettre d'être utilisé dans le mode aventure. Donc d'abord, en fait, tu vas faire du PVP, tu fais 2-3 matchs. Tu vas ensuite dans le mode aventure, tu t'envoies tes personnages qui vont récupérer des poids et ces poids-là, tu vas les utiliser dans Train, ici présent, XP Training. Et donc là, tu vois que par exemple, là, je viens de le récupérer, ça en a récupéré un, j'en avais déjà récupéré un une autre fois. Et quand tu vas dans le détail, tu vois que ça a un poids de 200 kg. Et que par exemple, à comparer avec, avec ce truc-là, ça, c'est un poids de 100 kg. Donc du coup, tu vas prendre plus d'XP avec celui-là, et forcément, il est plus chaud à récupérer. Donc, globalement, tu fais ça, tu cliques sur Begin Training, tu sélectionnes ton personnage, et il va level up pendant un certain nombre de temps. Voilà, hop, j'accepte, je dis OK.
Et pendant 59 minutes, il va partir s'entraîner, le bonhomme. Chose que je ne sais pas, c'est est-ce que quand tu utilises du coup ton personnage pendant ce temps-là, est-ce que du coup, par exemple, s'il monte level 270 avant que les 1 heure se termine, est-ce que du coup, ça va se calculer et que du coup, tu vas augmenter en proportion par rapport à ça. J'ai pas fait le test, vous me direz ça dans l'espace commentaire. Donc ça, c'est une des manières d'XP ton personnage. Voilà, donc moi, je vais mettre Piccolo aussi. Voilà, 257, allez, on prend, on envoie. T'as cette manière-là. Et sinon, t'as la manière un peu plus barbare, on va dire. C'est-à-dire que tu vas dans le story mode, tout simplement, sélection de story. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule histoire à faire. Il n'y a que ça, une fois que t'as fait ça, t'as plus rien à faire en termes d'histoire. Alors moi, je pense que vu que le jeu n'est absolument pas sorti sur toutes les versions, sur tous les téléphones déjà, et dans tous les pays, qu'il est sorti que dans 2 ou 3 pays, je pense que du coup, lorsqu'il va sortir globalement partout, il y aura l'ajout en même temps des nouvelles missions histoire. Voilà, moi j'en suis persuadé, donc faut pas oublier que le jeu il a 2 jours et qu'en plus de ça il est sorti que sur 2 pays, 2 ou 3 pays. Normalement nous on devrait même pas pouvoir y jouer. Et tu prends, déjà une fois que t'as terminé, tu vas à la toute dernière en fait. Hein, tu vas ici, Raditz machin chose, et tu farmes la quête. Voilà, tu peux pas, y a pas de mode auto. Ça c'est des tickets qui te permettent de simuler le fait de faire l'histoire, de faire le chapitre sans avoir à le faire toi-même. Sauf que je l'ai testé une fois, mais tu prends pas d'XP sur tes personnages. Donc du coup, c'est plus intéressant de le faire manuellement pour XP tes persos. Voilà, donc ça va plus ou moins vite. Et c'est peut-être un peu moins chiant que les objets d'entraînement. Voilà, en 1 heure, j'ai gagné une dizaine de levels avec le truc d'entraînement dont tu l'as vu tout à l'heure. Là, si je fais ça pendant 1 heure, il est quasiment level 300 et donc du coup c'est plus rentable entre guillemets. Donc voilà. Après, il faut que tu sois devant l'ordi, il faut que tu lances tes trucs et tout. Alors que le truc d'entraînement, j'ai n'importe quoi, tu vas faire un tour dehors en ville, et bien tu fous ton bonhomme pendant 1 heure, tu te casses, tu reviens, il a pris 10 niveaux. Tu vois, voilà. Ça dépend après de comment tu peux jouer. Donc ça, c'est les principales astuces pour que tu puisses XP tes personnages et ton compte. Voilà, pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres plus efficaces. Si vous en avez dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Et ensuite, on va parler des challenges que tu vois ici. Donc, c'est pour récupérer tout un tas de cristaux, hein, les cristaux qui te permettent d'invoquer, hein, comme les DS. Et tu vois, il faut réussir tout un tas de choses pour avoir à chaque fois tous les cristaux de la mission. Et donc, certaines choses sont un peu tricky. Donc, du coup, je vais te donner un petit peu la traduction, hein, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses exactement pour récupérer toutes ces récompenses-là. Voilà, donc du coup, on va y aller, il y en a certaines où il faudra que j'aille dans d'autres missions parce qu'il n'y a pas toutes les conditions, par exemple ici, mais c'est pas grave. Ah d'ailleurs, avant que j'oublie, c'est le moment, il faut que tu lâches un maximum de pouces bleus les frérots pour aider au référencement de la chaîne et de la vidéo, parce que c'est des vidéos tuto qui vont être utiles pour toute la communauté Dragon Ball Legends quand elle va commencer vraiment à jouer à fond, puisque là, on est que sur 2 ou 3 pays où t'as le jeu et c'est un peu la merde pour pouvoir l'installer, et impossible de jouer sur iPhone ou iOS en tout cas. Donc vraiment, vraiment, c'est important. On n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à t'abonner sur les réseaux sociaux et à partager la vidéo un maximum pour les gens qui ont des questions sur Dragon Ball Legends. Bref, lance 2 attaques. Donc là, bah, tu lances 2 attaques, hein, rien d'extraordinaire. Là, tu lances 2 attaques, mais de ki, pareil, pour débloquer les orbes. Là, tu utilises une main ability. Alors là, c'est là que c'est tricky. Moi, je pensais au début que c'était, vous savez, certains personnages, vous avez des attaques qui coûtent 50 de ki. Et moi, je pensais que c'était ça, parce qu'ils disent principale habilité, pour moi, c'était ça. Mais en fait, pas du tout. La principale habilité, c'est quand vous êtes en combat, quand vous êtes en game, vous avez sur votre gauche votre personnage, votre portrait de personnage avec une petite barre qui augmente. Et lorsqu'elle est à fond, tu peux cliquer dessus, il t'active un espèce de passif du personnage. Et en fait, c'est ça la main ability. Donc, il faut que tu actives ce truc-là pour débloquer cette mission. Et ça, c'est un truc qu'on me demande souvent sur Twitter, la main ability. Donc, du coup, je pense que ça va aider pas mal de personnes. Esquiver une attaque, mais là tu esquives une attaque de l'adversaire tout simplement, et du coup ça va faire un espèce de TP, tu vas te retrouver en face de lui. C'est comme ça que tu valides cette mission. Ça c'est tu lances un final KO with Rising Rush. Le Rising Rush c'est l'espèce de truc que tu actives une fois que tu as tous tes Dragon Ball et que tu vas attaquer, tu fais une attaque à 3. Et là c'est bas avec un personnage vert, gris, je pense c'est green. Un personnage vert, j'ai l'impression. Le hors mort, je sais pas pourquoi ils me disent ça, mais en tout cas, j'ai pas eu de problème à faire cette mission. Donc je suppose que vous non plus. Mais moi j'ai l'impression que c'est green, vert. Mais par contre, le hors mort me fait poser des questions. C'est peut-être un niveau spécial, je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas que vous ayez de problème sur ce truc-là. Là où vous allez avoir le plus de problèmes, pour les gens qui connaissent pas, c'est ici. Use the main ability one time. Voilà, c'est un peu le plus relou. Et l'escape, le vanish, ici présent, qui est assez chiant.
On a aussi un autre truc dans d'autres missions où il te demande de. J'essaie de le trouver, d'ailleurs là j'ai pas tout fini. Il te demande, voilà, get a perfect win, bah en fait tu dois pas te faire toucher. Voilà. Il faut pas te faire toucher une seule fois et tu débloques celui-là. De celle-là de reward, tout simplement. Je pense avoir plus ou moins tout dit sur les missions. Je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs un peu relous. Je vais aller vérifier rapidos. Ça c'est pas très dur. Voilà, esquiver une attaque, ça va être le plus chiant. Sinon tout le reste, tu vas le faire quasiment sans t'en rendre compte, sans regarder. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur l'avancée de Dragon Ball Legends pour le moment. Sur les petites astuces, les petites combines. Hop là, tu vois, j'ai réussi une mission, donc on va les récupérer. Voilà, parce que j'ai récupéré les persos d'aventure. Et hop, je gagne 5 d'XP. Et c'est comme ça, globalement, que tu montes ton niveau le plus rapidement possible. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les petites astuces pour XP ton compte, tes personnages. Et réussir les missions globalement. Même s'il y a 2-3 trucs qui sont encore un peu flous. Mais bon, ça va se décanter dans les jours qui arrivent. Bref, sur ce, je vais tester. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, j'espère que tu vas lâcher ton maximum de pouces bleus, me suivre sur les réseaux sociaux, activer la clochette pour les notifications, très important, et me suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave, vaut mieux me suivre quand même. Sur ce, des bisous, abonne-toi, et puis à la prochaine pour une vidéo Dragon Ball Legends. On fera du PVP cette fois-ci. On va voir que le PVP, c'est pas vraiment facile. Et j'ai beaucoup de mal encore avec le système d'esquive que je galère à maîtriser et qui va me demander pas mal d'adaptation. Bref, sur ce, des bisous, biscuits of peace. Ciao !